C'est entièrement de ta faute. Mais j'y pouvais rien, moi. Voyons un résumé de l'épisode précédent. Ah, c'est quoi ce truc? Je m'en vais. Voilà donc ce qu'il s'est passé hier. Tu n'y arriveras jamais si tu as peur d'une érection. Elle est rentrée chez elle alors qu'on était arrivés aussi loin. Vous le savez, en fait, elle me mène en bateau. Le pauvre... Takeshita, arrange le coup, s'il te plaît. T'es récupérable. Allons à la piscine. Tu veux me voir en maillot? Moi? Oui, j'ai aussi invité mon petit ami, tu sais. Comme ça, on pourra s'amuser tous les quatre. Allez, dis oui, hein? Kasuda. Bah, je sais pas trop. Gars, tout qu'on fait, je vais pas venir. Sérieux? Tu viens pas avec nous? Il change d'humeur comme de culotte. Comment veux-tu qu'il s'y retrouve, le pauvre? Yamada. D'accord, je viens avec vous. T'as changé d'avis? Tu vas pas le regretter. Je te donnerai le lieu et l'heure du rendez-vous plus tard. Tu m'as sauvé la vie, Takeshita. Au fait, j'avais oublié que t'avais un petit copain. Faut dire que t'en parles pas beaucoup. Oh. Comment ça se fait? Bah, je sais pas trop. Raconte-moi comment c'était la première fois avec lui. Est-ce que ça t'a fait mal? Vous avez décidé de laisser la lumière allumée? Est-ce que vous avez pris des bains ensemble? Vous faites quoi une fois par semaine? Allez, dis-moi tout, Takeshita, je suis ton ami quand même. C'est pour ça que je ne te parle jamais de lui. Avec ça, je suis sûre de faire fondre Kasuda. Je vais faire un essai pour voir ce que ça donne. Ah, je comprends. Si je fais le nœud de cette façon... Mince alors, le nœud se défait. De toute façon, je n'ai pas besoin de ce genre de stratagème. Car ce corps de rêve est mon arme ultime. Ah, voilà mon rembourrage. Une sortie à la piscine. Comme j'ai hâte. Je me demande quel genre de maillot de bain aurait Yamada. Mais je dois avouer que le mieux serait qu'elle ne porte rien. Kasuda. Oh, mais qu'est-ce que je raconte, moi? Ça fait trop du bien. Kazuki! Oh, va t'habiller. T'as aucune pudeur. Je m'habillerai quand je serai sèche. En tout cas, toi-même nu, j'ai pas du tout envie de regarder ton corps. Aucun homme ne peut résister à mon physique de star. Kasuda, agenouille-toi devant ma beauté. Et t'es pas obligé de prendre ce que j'ai dit au pied de la lettre, tu sais. Mais non, c'est que... C'est l'ardeur de l'innocence. Yamada? Hein? Ah, c'est toi, bonne Akashita. D'abord, c'est Takeshita. Oh, et regarde-moi dans les yeux. Aujourd'hui, tu tentes rien de pervers. Hein? Mon petit copain est là, alors tiens-toi tranquille. Je ne veux pas qu'il pense que je suis amie avec une tarée. Mais dis donc. Bonjour. Enchanté. Je m'appelle Daisuke Matsudo. Il est étudiant. Il travaille à mi-temps dans une librairie en ville. Et c'est là que je l'ai rencontré. Je te présente Yamada. Salut! Et Kasuda. Bonjour, ravi de te connaître. Moi de même. Miaoru me parle souvent de toi, Yamada. Du coup, j'avais hâte de te rencontrer. Ah bon, c'est vrai? J'espère que Yamada ne va pas tomber sous le charme de Daisuke. Non, je me fais trop d'idées. Au fait, Kasuda, tu t'occupes de la bibliothèque, c'est ça? Oui. Alors tu dois aimer les livres. Moi j'adore la littérature classique. Moi aussi. Je la préfère largement aux œuvres modernes. Ah vraiment? Pour ma part, j'ai un petit faible pour les auteurs russes, tels Dostoïevski ou bien Tolstoï. J'aime toute la réflexion sur le libre arbitre. Et aussi comme il est cultivé. Un personnage peut évoluer. Wow. C'est Kasuda qui tombe sous le charme de Daisuke. Je dois avouer qu'il m'engage, j'inspire la confiance. Il doit être très tendre lorsqu'il est avec Takeshita. Oh, j'ai envie qu'elle me raconte tous les détails de leur relation, mais je lui ai promis de ne rien dire de pervers aujourd'hui. Oh. Laisse tomber, je te dirai jamais. Ah, t'es froid. Si tu étais un peu plus bronzée, ce serait encore plus sexy. Takeshita a vraiment l'air d'être amoureuse. Ils forment un joli couple. Par contre, entre Yamada et moi, les choses n'avancent pas du tout. J'ai l'impression qu'elle n'a pas trop le moral aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux faire qui soit pas pervers? T'as qu'à aller nager! Ah mais oui!
Kosuda, on va nager? C'est vrai qu'il nous est arrivé pas mal de choses, mais c'est la première fois qu'on se donne la main. Elle est vraiment rayonnante. Je regrette pas du tout d'être venu. Oh mais... où on est? Faut qu'on essaye ça. Je suis pas prêt mentalement. C'est... c'est trop... Allez, c'est à nous. C'est lui qui est entreprenant. Kosuda, refaisons-le jusqu'à l'épuisement. Quoi? Encore une fois. Oh oui. Ah, Takeshita. Hey. Tu es sûr que ça va, Kosuda? Parce que t'as vraiment une tête à faire peur. Ça va. On y va, Daisuke? Hein? J'arrive! Hein? Comment? Kosuda t'a en fait de l'autre côté? Oh, mon petit Kosuda. N'implique pas mon copain dans tes fantasmes! Quoi? Alors si tu m'as serré dans tes bras, c'est juste parce que t'avais peur? Bah oui! En fait, j'ai le vertige dans ce genre d'endroit. Ah. Quelle idiote! Et moi qui pensais que Kosuda était entreprenant. T'es nul. Tu ne devrais pas t'en faire, tout le monde a une peur cachée. Tiens, il y a des gens qui portent le yukata vraiment n'importe où. Oh, j'avais oublié. Pas loin d'ici, il y a un festival qui commence à 19h30 ce soir. Il y aura un feu d'artifice, et on pourra même louer des yukata. Nous revoilà! Finalement, on a loué des yukata. Yamada est trop belle comme ça. Qu'est-ce que tu es jolie, Miaoru. Matsu est tellement mature. Il arrive à faire un compliment de façon si naturelle. Tu sais... Je vais aux toilettes. Qu'est-ce que tu fabriques? C'était pourtant une bonne occasion pour te faire pardonner. Mais... À mon avis, si tu essaies de te justifier, elle va penser que tu n'as pas du tout compris ce qu'elle ressentait. Mais alors que dois-je faire? Je pense que la meilleure solution serait que tu ne dises rien et que tu la serres fort dans tes bras. Si c'est juste parce qu'il avait peur qu'il s'est accroché à moi, alors dans ce cas même, une bouée aurait fait l'affaire. Ça aurait pu être n'importe qui. Hein? Ah! Cette fois, je ne le fais pas à cause de la peur. Mais qu'est-ce que je raconte, moi? Je sais. Je te pardonne, Kosuda. Oh. Je te souhaite un très joyeux anniversaire pour tes 20 ans, Bella. Je te souhaite le bonheur, la joie et la santé, et cela même si la vie est difficile. Garde toujours le sourire et n'abandonne pas. Profite un max de la vie et pense toujours positif. Ah, quel romantisme. Ah oui, joyeux anniversaire, Bella Jenna. Tu le mérites amplement. Et tu grandis de plus en plus vite. Félicitations,
joyeux anniversaire. Oui, en effet, joyeux anniversaire. Hello copine, joyeux anniversaire, t'as 20 ans mamie. Alors, la petite surprise t'a plu? J'espère, parce que sinon je me suis pas fait chier pour rien. Hein. Bah, je te souhaite tout plein de bonheur et que cette journée soit la meilleure pour toi. On n'a pas 20 ans tous les jours. Gros bisous copine, je t'aime.